Noct, j'entends un moteur Magitech. Y a pas grand chose à voir. Fais pas le difficile. Au moins, on peut acheter des armes. Bienvenue en ce lieu, Prince Noctis. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Je pense qu'il est grand temps de passer à l'étape suivante, vous ne croyez pas ? Hein ? L'étape suivante ? Mes compagnons et moi veillons sur 8 sceaux magiques, voyez-vous. Ces derniers assurent la protection de ce pays. Je suis sûr que vous en avez déjà vu. Des portes étranges, cachées au fin fond de grottes et de ruines. Voici la clé qui sert à ouvrir ces portes. Derrière chacune d'elles se trouvent des créatures maléfiques, si redoutables qu'elles mettraient en difficulté même les plus aguerris des chasseurs. Mais vous avez un don que les autres n'ont pas. Avec le pouvoir royal, vous parviendrez à vaincre ces terribles monstres. Voilà la raison pour laquelle je vous confie cette clé. De retour ! Qu'est-ce qu'il vous faut ? Alors, c'est jouable ? Celui-là ? Soyez prudent ! On a besoin d'exercice. En douceur.
on accélère. Merci. Merci à toi. Fais tes prières. Trop lent. Qu'est-ce que je fais? Tu vas pouvoir faire des étincelles. Merci. Trop lent. Ignis, allons-y ensemble. Rien de personnel. Gladio, vas-y. Désolé. Bien vu, Gladio. Ok. Je dirai pas. Tu as vu ça? Yes! C'est parti! Ok! Laissez-moi faire. Y'a rien. Et je sais ce qu'on va manger pour fêter ça. On monte la tente. Je me sens sale et poisseux. C'est l'heure du bain. Wow, elle est cool celle-là. C'est vrai, je l'aime aussi. Hey, Noct, dis-moi. Ça te dirait d'aller pêcher demain? Pourquoi tu me demandes ça? Il paraît qu'il y a un poisson incroyable. C'est dans le lac Vesper, tout près d'ici. On le surnomme le Seigneur du Lac. Non, t'es sérieux? Tu crois qu'on peut le pêcher? Il est énorme. Et il faut croire que personne n'a jamais réussi à le remonter. Ce serait un bel exploit. Tu m'étonnes. Ce poisson, c'est une légende dans le coin. T'en dis quoi? Tu veux tenter ta chance? Bah évidemment. Et comment que je veux? Il faut au moins un prince pour attraper un seigneur. Pas vrai? Bien dit. Je savais que tu mordrais à l'hameçon. Ouais. Alors, tu veux y aller quand? Tout de suite, là? Demain matin. À ce qu'on raconte, ce seigneur-là ne se montre qu'à l'aube. Oh non, à l'aube? Bon, bah, ça vaut peut-être le coup d'y aller quand même. Ok. Alors à demain. Et oublie pas de te réveiller. Ça marche.
Allez, en route pour le lac Vesper. Je vais t'ajouter à mon palmarès, mon cher seigneur du lac. Ça fait plaisir, t'es super enthousiaste pour une fois. Qu'est-ce que tu veux? Je peux pas résister aux gros poissons. Bienvenue chez nous. Et voilà. Merci. Il est minuscule, ce poisson. Hein. T'es plus doué avec la canne qu'avec tes armes. En effet.
Bon, ben, essaie de faire mieux la prochaine fois. Ouais, c'est ça, facile à dire. On a pêché un gros cette fois. Ouais, il est énorme. Un gros. La vache, ça arrête pas de mordre. Yeah.
c'est bien neuf. Allez, continue à le tirer vers toi. Ne lâche surtout pas. C'est la moitié du boulot, là. Viens là. Allez, Nof, je sens qu'il faiblit, là. Faut que tu sois plus résistant que lui. La ligne va casser. Viens là.
Donne-moi un coup de main. Gladio à la rescousse. Tu devrais changer ta ligne avant qu'elle casse. Trop fort! On a réussi! Il est vraiment énorme! Tiens, il y a quelque chose accroché à lui. C'est quoi ce truc? On dirait un leurre, non? C'est sûrement un joli souvenir d'un de ses nombreux combats contre tous ceux qui ont essayé de l'attraper. Il a pas l'air trop abîmé. On pourra le réutiliser. T'as tiré le gros lot. Un énorme poisson et quoi empêcher d'autre? Ignis et Prompto vont pas en croire leurs yeux. T'as bien assuré aujourd'hui. Hey, saute pas dessus là. Tu vois, je peux quand je veux. Ça y est, on y est. C'est réconfortant de voir enfin des gens. On peut s'abriter. Oh, de retour. Eh ben, vous avez fait vite. Est-ce que vous avez déjà mangé? Voici la liste des affreux. Merci d'être passé.